Shavuatov, nous sommes le Mosi Shabbat Pekoudé, 2 Adar Bet 5776, et l'étude sera le Nishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, Lirfuat Tzvi Dov Ben Chaya, et Lirfuat Sofilea Golda Bat Kati Atara. Nous étudions Baba Kama Perek He Mishna Bet, Akadar Shichnis Gedrota Vlachatzar Baal Abayt Shelo Birshut, Veshibratan Behemto Shel Baal Abayt, Patur, Veimusga Ben, Baal Akderot Chayav, Veimichnis Birshut, Baal Chatzar Chayav. יחניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור. ואם מוסקה בהן, בעל הפירות חייב. ואם יכניס ברשות, בעל החצר חייב. משנה, סמפל. On va parler de, du cas d'une personne qui fait entrer des objets dans la cour de son prochain, de son voisin, sans sa permission. On va évoquer sur ça deux cas de figure, le cas où ce qu'il a fait entrer cause un dommage à l'animal du voisin, ou le cas où l'animal du voisin vient et endommage ces objets qu'il a déposés. Et on va répéter ça de deux manières, une fois en évoquant le cas où il fait entrer des cruches et l'autre cas où il fait entrer des fruits. On fait ça dans les mots directement. Akadar shi'ichnis kderotav lachatzar ba'al habayit shelo birshut. Un kadar, ça vient du mot kdera, une cruche. Donc on parle d'un potier qui a fait entrer ses cruches dans la cour d'un ba'al habayit, d'une personne, d'un propriétaire, d'une cour donc. On va appeler ça, à titre indicatif, du voisin, c'est plus facile pour parler. Shelo birshut, sans sa permission. C'est-à-dire, le potier n'a pas demandé l'avis au voisin de faire entrer ses cruches dans sa cour, et il les a déposées par terre. Et ce qui s'est passé, c'est que Veshibratan behemto shel ba'al habayit. Et l'animal du propriétaire est venu et les a cassées. Alors la Mishnah nous dit, patour, le voisin n'aura pas besoin de dédommager ce potier, pour la simple raison que le potier n'avait pas le droit de mettre ses cruches ici, et donc t'as rien à réclamer. Par contre, Vimuzka Ba'en, Balagdero Trayav. Et si l'animal, en marchant dessus, s'est écorché le pied ou a trébuché et tombé, alors Balagdero Trayav, le propriétaire des cruches, devra le dédommager. De nouveau, tu m'as déposé une embûche par terre. Une embûche, c'est un dérivé de bord, comme si tu m'avais creusé un puits par terre. Et de ce fait, tu dois me dédommager si jamais mon animal s'est cassé une jambe dessus, ou s'il est mort, peu importe. Vimichnis birshut baal chatzer chayav. La Mishnah maintenant nous dit attention, si quand il est entré, il a déposé les fruits, et il l'a fait avec. Et il a déposé plutôt, excusez-moi, il a déposé les cruches par terre avec l'accord du propriétaire. Du voisin. Alors dans ce cas-là, le voisin est lui responsable. Il est chayav de le dédommager. Quelques petites précisions sur ça. D'abord, on va commencer. Oui, on verra ça plus dans la prochaine Mishnah, mais quand même, on peut déjà le dire. Baal chatzer chayav. Si jamais quelqu'un a fait entrer donc ses cruches dans ma cour en me demandant de les déposer, et moi je lui donnais mon accord, alors il y a marqué que maintenant, moi qui suis le propriétaire de la cour, je suis chayav. Je suis chayav de quoi? La Gemara nous précise qu'en fait il y a trois niveaux de chiyuv. Je suis responsable maintenant de trois choses face à ces cruches. Tout d'abord, si mon animal trébuche à cause de ces cruches, alors il ne devra plus me dédommager, parce qu'il l'a fait avec permission. C'est le premier niveau. Deuxièmement, si mon animal va et casse les cruches, je devrais moi le dédommager. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement que lui il est dispensé de le dédommager, mais c'est même moi qui suis responsable de le dédommager. Quand je lui ai donné mon accord, je ne lui ai pas juste donné mon accord de déposer sa cruche, j'ai aussi par là accepté de moi garder mon animal qui ne va pas partir lui causer un dommage. Et un troisième niveau encore plus fort que ça, même la Gemara le précise aussi, j'ai pris sur moi la responsabilité de surveiller ces cruches, même si qu'il n'y ait pas de coup de vent qui vienne et qui fasse tomber ces cruches par terre. Jusque-là, mon niveau de responsabilité va, je deviens en fait, en un mot, un gardien à part entière. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point maintenant, c'est quel est l'accord que je dois lui donner? Il y a une petite discussion sur ça. Ce sera en fait lié à la fin de la prochaine Mishnah. Mais en tout cas, on peut déjà l'évoquer, une marloquette en fait entre les Rishonim, comment trancher la halakha. Selon Tosfot, il suffit uniquement que je lui donne mon accord de faire entrer ses cruches, sans avoir besoin même d'expliciter que je vais les garder. Et le Rif lui pense qu'on parle que je dois forcément préciser
que je vais garder, je vais surveiller ces cruches, qu'il n'y a pas de problème. Je dis, oui, vas-y, fais-les entrer et je vais les garder. D'accord ? C'est une petite précision, la halakha, logiquement, je n'ai pas regardé dans la halakha concrètement, mais je suppose que ça va sûrement être tranché comme le RIF, qui va dire qu'il faut, il faut donner l'accord de le garder. Enfin ça, ouais, bien sûr, ce sera comme ça en fait, je le sais. On apprendra ça plus précisément dans la Mishnah Gimel, dans la prochaine Mishnah. D'accord ? Donc ça, c'était un premier cas, de un cas avec des cruches, donc on reprend rapidement. On a donc parlé que je fais entrer mes cruches, le potier fait rentrer ses cruches dans ma cour, et alors là, s'il me cause un dommage, il doit me dédommager. Si je lui cause un dommage dans ses cruches, je suis dispensé de le dédommager. Par contre, si je lui demande, s'il ne me demande la permission de les mettre, et je donne mon aval en précisant ou non que je vais les lui garder, alors là, dans ce cas-là, je deviens un gardien à part entière de ses cruches. Dans tous les cas, même, je dois même le surveiller qu'il n'y ait pas de coup de vent qui vienne faire tomber ses cruches à partir de maintenant, puisque maintenant, je suis devenu un gardien à part entière. C'est clair ? On refait maintenant la deuxième partie de la Mishnah, où c'est exactement la même chose, en remplaçant les cruches par des fruits. Ichnis perotav lachatzar ba'al habayit shelo birshut. Il a fait entrer ses fruits, cette fois-ci, dans la cour de son voisin, shelo birshut, sans lui demander la permission. Va'achalatan be'emto shel ba'al habayit patur. Et l'animal du voisin est venu et a mangé ses fruits, alors il sera dispensé de dédommager le propriétaire des fruits, parce que le propriétaire des fruits n'avait pas le droit de les mettre, tout simplement, au même titre que dans le Reshut Arabim. Je n'ai pas besoin de dédommager le propriétaire des fruits que mon animal a mangé, alors, à plus forte raison, lorsqu'on met des fruits dans la cour du voisin, son animal n'a pas besoin, le voisin n'aura pas besoin de dédommager si son animal a mangé ses fruits. C'est clair ? Précision importante, un petit rappel de ce qu'on avait appris dans la Mishnah, dans le Perek Bet, que même si le voisin sera dispensé de payer le prix coûtant des fruits, il devra quand même payer un petit quelque chose qui s'appelle Dmei Seorim Bezol, le prix de l'orge à bas prix, c'est-à-dire à bon prix, à bon marché, le deux tiers de leur valeur, qui correspond en fait au fait que quand l'animal est venu et a mangé ses fruits, il est vrai que le voisin ne doit pas dédommager, ne doit pas payer les fruits, mais il a quand même économisé un repas. Cette économie du repas-là, alors il devra quand même la lui rembourser. Comme ce qu'on apprenait vraiment, c'était Perek Bet, Mishnah Bet, je suppose, ouais, à mon avis. Et voilà, ça c'était pour cette petite partie. Donc, que quand je suis dispensé de dédommager, je dois quand même payer le minimum, qui est en fait l'économie du repas. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit « Veimuz kabaen balaperot hayav » Et si l'animal trébuche sur ses fruits et se casse une jambe, alors le propriétaire des fruits devra le dédommager. Je précise, j'ai insisté sur le fait que l'animal a trébuché sur ses fruits. Par contre, la Gemara nous enseigne, ça va être ramené dans le Barthénora, si l'animal est parti et a mangé ses fruits au point où il en est mort tellement qu'il en a mangé, alors là, dans ce cas-là, le propriétaire des fruits sera dispensé de dédommager pour la simple raison que je suis responsable que mon bien ne cause pas de dommages. Mais je ne suis pas responsable si, c'est-à-dire d'un point de vue bet din, je suis dispensé de dédommager lorsque le bien d'un autre, l'animal d'un autre, utilise mon bien pour se causer un propre dommage. Un cas grossier, ce serait peut-être le cas si je laisse traîner un couteau, par exemple, et que là, il y a un animal qui vient et qui se suicide. Et bien dans ce cas-là, je serais dispensé de le dédommager. D'accord ? Dans la même idée aussi, c'est si je dépose des fruits par terre, une grosse quantité de fruits, et l'animal vient et de lui-même se met à les manger au point où il en meurt, alors je suis pas tout même, la caméra le me dit même aussi sur du poison, même si je pose du poison par terre, que l'animal vient et le mange, je suis dispensé de le dédommager. Parce que finalement, c'est pas moi qui lui ai causé le dommage directement, mais ça s'appelle un cas de grama. Un cas indirect, de dommage indirect, comme ce qu'on avait déjà évoqué une fois, qui est Patour Medina Adam Vechayav Medina Shamaim. On est dispensé selon le tribunal terrestre, mais on a quand même un devoir plus que moral, un vrai Chiyuv Bidei Shamaim. On avait déjà expliqué la notion, qui consiste en fait que j'ai quand même un devoir très fort de partir lui le rembourser. Mais en tout cas, le Bedin ne va pas rentrer à le dommager, d'accord ? En tout cas, ça c'était pour ce petit détail-là de Vimuska Bae. Donc si elle se cause un dommage, on parle uniquement qu'elle trébuche. Par contre, si c'est en mangeant, alors c'est elle-même qui s'est causé son propre dommage en se tuant toute seule. Ensuite, Vimichnis Birshut Baal Echatzer Chayav. Maintenant, la Mishnah nous précise de nouveau. Si, lorsqu'il est venu, il m'a demandé la permission de mettre ses fruits
Alors, comme précédemment, soit je lui dis « Oui, je t'en prie, pose tes fruits. » Ou bien, soit j'ai dit encore plus que ça, je lui dis « Oui, pose tes fruits, t'inquiète pas, je les surveille. » Alors, dans ce cas-là, « Valei Chatzer Chayav », le propriétaire de la cour sera, dans tous les cas, responsable de surveiller que l'animal ne... que, dans tous les cas, il devra surveiller tout simplement les fruits, aussi bien que les fruits ne causent pas un dommage à sa vache, que sa vache ne vienne pas manger ses fruits, ou même qu'aucune cause de dommage extérieur vienne et abîme ses fruits aussi, comme précédemment. Voilà pour la Mishnah, on fait vite fait le partenora. Vimuska ba'em ba'al aperot chayav. On a vu donc, si l'animal se cause un dommage avec ses fruits, alors le propriétaire des fruits devra le dédommager. La Mishnah nous dit « Vanemile shehuchleka venirshela ben » Attention, on ne parle uniquement que l'animal a glissé et a trébuché dessus. « Avali machla mehen ad shemeta » Par contre, si elle a mangé ses fruits au point d'en mourir tellement qu'elle en a mangé, « Bah la perot pator » Le propriétaire des fruits sera dispensé de dédommager. Pourquoi ? La Mishnah nous dit « Davela » Chez l'autre, pour le traduire tout simplement, elle n'avait qu'à ne pas manger. Elle n'avait pas à manger, tout simplement. Elle n'avait pas à manger, tout ça, tu précises que étant donné que c'est donc comme ce qu'on expliquait, que c'est elle-même qui se rapporte, qui se fait son dommage elle-même, alors là, c'est pour ça que je suis dispensé. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une semaine pleine de Hatzlacha et rendez-vous demain. Kol Tov, Sela, Shavuot Tov.